Bonjour, je m'appelle Rachid, donc je travaille au service jeunesse de la ville de Montbéliard. Et cette année, on organise la 7e édition du Festival Urban Session. C'est un festival urbain dédié à la jeunesse. Et on a différents événements. Alors, des scènes amateurs pour les groupes locaux de l'agglomération, voire même de l'aire urbaine. Et on fait venir également des artistes professionnels, comme ce sera le cas ce soir pour la 2e édition du Café Théâtre d'Urban Session. Donc maintenant, je vais vous présenter les différents événements, les différentes actions qui sont mises en place dans le cadre du Festival Urban Session. Donc on a des événements sportifs. Ce week-end ont eu lieu un contest de trottinette et un contest de BMX organisé par le service des sports. Une scène jeunes artistes à la Roselière. On a pu retrouver une cinquantaine de jeunes de l'aire urbaine pour des concerts. Aujourd'hui, nous avons deux éditions du Café Théâtre, celle qui vient de se dérouler cet après-midi, donc avec uniquement de jeunes artistes amateurs de l'agglomération, et ce soir avec des artistes de la scène émergente parisienne. D'autres actions seront mises en place tout au long de la semaine. Il y aura un open mic, donc un concours de MC demain soir dans la même salle ici au Bain Douche. Et samedi, on clôturera le festival par un concert de Black M à l'Axone. Voilà. J'en peux plus. La même putain. On va enfin pouvoir bouffer. Ouais, un bon riada, mon gars. Attends. Il en reste plus qu'un. De grâce, faites qu'elle ne le prenne pas. Non, mais c'est mort. Il est prêt. Mais non, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'on va faire? Bien, on va en faire à la part. Allez, go là. Nous aurons besoin de tomates, de salade, de carottes, de steak et de gruyère. On va enfin pouvoir le manger. Dormir, est-ce un danger en sommeil? En effet, il semblerait que le sommeil puisse provoquer des troubles cardiologiques en cas de manque ou d'abus. Cela semble en effet impossible. Une étude très sérieuse, publiée par deux chercheurs de l'Université de Virginie-Occidentale, prouve en effet que dormir moins de 6 heures par nuit est dangereux pour le cœur à la longue, de même que dormir plus de 9 heures. L'idéal étant de dormir 6 heures par nuit pour un adulte. Les raisons de ce danger sont encore floues, mais on sait que trop de sommeil affecte les glandes endocrines. Que faire alors? Dormir un minimum de 6 heures par nuit et éviter les grasses matinées trop fréquentes semble être un bon compromis. Bonjour, je suis Pierre-Yves. Et je suis Jérémy, du groupe Smoking Kills. For Jason, Infernal. Looking for company. Moi-même, guitariste chanteur aussi, donc on est deux guitaristes chanteurs. Et on a laissé les trois autres dans le tourbus, parce qu'ils n'avaient pas envie de venir, et de toute façon... Y a pas la place. Y a pas la place, voilà. Donc on est un groupe de blues rock. De Belfort, et on a 2 ans d'existence, 100 000 concerts à notre actif. Plutôt 30 en fait. Hein? Une quarantaine. Plutôt une quarantaine, ouais. Bright light in the city. Drive me on the street. Bright light in the city. At last. En début d'année 2014, on s'est retrouvé au studio Cube à Guyandurne, à côté de Besançon, pour la réalisation de notre EP. Et du coup, on a enregistré 5 titres qui reflètent l'identité du groupe,
donc à base de rock moderne et de blues plus vintage comme le Chicago Blues. Et du coup, il y a un mélange assez original. On a pu confronter tous nos avis sur le sujet et avoir un résultat qui est, ma foi, pas trop mal. Hein. Bah ouais. Ouais, ouais. Avec bon, 5 titres qui sont assez différents. On retrouve du rock, on retrouve du blues, non, on retrouve du Chicago Blues. Ouais. Ouais. Du rock, du sexe, de l'alcool. Sinon, on a des projets. On a des projets, oui. L'enregistrement d'un album l'année prochaine. Ah, 10 titres. Cette fois-ci, 10 titres. Peut-être au Cube, peut-être je sais pas où. On travaille ardemment en ce moment, puisqu'on a déjà sorti 4-5 titres qui tournent déjà dans les concerts. Voilà, qu'on teste. Et qu'on teste devant les gens pour voir un petit peu ce qu'ils en pensent. Et on les arrange et on les peaufine pour un album qui sera l'album de la maturité. Ouais. Et sur le web. Et sur le web, que va-t-il se passer en 2015 pour les Smoking Kids? Et bah sur le web, nous allons avoir un fabuleux site internet créé par des fantastiques joyeux lurons. Oui, c'est-à-dire des étudiants. Des étudiants, oui, oui. Des MMI. MMI. Donc là, on a rencontré 4 jeunes hommes qui vont réaliser notre site. Voilà, voilà. Ça se trouve, le site sera fini avant qu'ils aient des poils. Allez, keep the blues. Keep the blues.